Et bonjour à tous, c'est Matt du 29. Alors aujourd'hui dans Farming Simulator 19, on va aller tout simplement remplir ce qu'on a besoin. Donc on va commencer peut-être par le blé. On va aller tout simplement à l'usine de soda. Donc on va charger à fond ce qu'on peut mettre dedans. Hop. Allez, c'est parti. Demi-tour. Hop, c'est parti. Et en plus de ça, elle est pas loin. Bah, elle est un peu plus près de la ferme que part. Que d'autres endroits. Hop. Alors c'est bizarre qu'il n'y ait pas de truc, mais à mon avis... si on va voir... Eh ben, demain il pleuvra. Demain il va neiger demain. Oh, pourquoi elle est là? Ah merde, oui. Je pensais aller faire un truc et puis après j'ai arrêté. Bon, c'est pas grave. On va aller avec notre remorque. Donc à l'usine de soda, hein, en ville. Bah, là où on fabrique des boissons gazeuses surtout. Non, c'est pas loin de là. Donc ici, après c'est à droite. Oh. Allez. Et après, ça doit être sur la gauche là. Voilà. C'est ici. Hop. Bon, elle doit quasiment être pleine. Alors, eh ben, il y a quoi 105%? Boisson gazeuse. Ben, à la limite, ouais. Là, on peut plus rien mettre de plus. Millette, est-ce que j'en ai? Est-ce que j'ai des millettes? Le millette. Le millette, non, c'est sur la fin. Ça, c'est la paille, machin. Le millette, ça doit être là, quelque part. On n'en a plus beaucoup. Et le houblon, on a besoin de combien? Le houblon, il y a ce qu'il faut. Bah, sinon, ce que je peux faire, c'est aller à direction. Je vais aller mettre du sel aussi au. À l'usine à la carrière en haut, pour pouvoir fabriquer de l'engrais. Alors on va déposer, je vais aller avec celui-ci à l'usine de dessalement, comme ça on va monter dans le John Deere. Et puis on va aller tout simplement mettre du sel en haut. Ou alors peut-être s'occuper du dessalement de l'eau, parce qu'à mon avis, l'eau, donc le côté eau non salée, doit être remplie, comme d'hab.
Et avant, il faudrait remplir l'eau salée. Hop. D'ailleurs, le camion est où? Bah, à mon avis, non, le camion il est pas là. Il est parti. Il doit être à la recherche de l'eau. J'ai dû le mettre à la à l'eau. L'eau est à l'eau salée. À l'eau de mer. C'est lequel déjà? C'est celui-là. Bah ouais, il est déjà plein en plus. Hop. Allez. On va s'amuser à faire ça, à faire le plein de. Ça fait tellement. En fait, le serveur, j'y vais plus beaucoup. En semaine, j'ai pas le temps. Le week-end, j'ai un peu plus le temps, mais. Je fais autre chose en fait. J'ai l'impression que. Mais après, c'est pas pour ça que j'aime pas le jeu. Hein. J'aime bien. Hein. Mais. En semaine, j'ai pas trop le temps. Allez. Tant que les routes sont pas enneigées, c'est bon. D'ailleurs, faudra que je pense à prendre alors je sais pas, je crois que c'est là. Alors soit la déneigeuse. Soit la souffleuse à neige. Le seul problème, c'est que si on veut faire avec celle-là. Cette machine permet de restaurer l'état initial du sol. Bah, je pense que le mieux, c'est la neige. Bon, par contre, celui-là, il fait que 1500 pour 4, 4 mètres. Alors, on va prendre celui-là. On va le prendre usé, donc ça coûtera que 8000 au lieu de coûter 12 000, voilà. 8160. Et cette fois-ci, ça marche. Voilà. Donc, je le prendrai quand j'aurai. Quand. On le prendra quand il y aura de la neige. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de neige. Et il faudra que je vois si je peux utiliser le sel que produit l'usine de dessalement pour épandre sur les routes avec la avec le avec l'épandeur à sel. Bon, lui c'est là qu'il faut aller. Et du coup on fait demi-tour. Oh, faudrait que je recule un peu plus le tracteur quand même. Bon, ce qu'on va faire. Votre mère, il manquait l'eau salée. Donc, voilà. Mais ce qu'on va faire, c'est que celui-ci, il y a déjà un peu de sel dedans. Je vais laisser le sel. Et puis on va aller chercher. On va aller chercher la. On va aller chercher la. L'épandeur à sel. Alors, le magasin le plus rapide. C'est par là. Merde, je suis perdu. Je suis perdu. Je crois que c'est par là. Et donc à partir du 8 décembre, on aura un DLC gratuit qui est le Précision de sol, donc qui permettra d'avoir de gérer les sols, de mettre d'augmenter le pH du sol ou de diminuer le pH, qui permettra de gérer les sols.
Et ça va être bien. Donc là, voir l'état des sols, soit faire un ajout un apport dans le sol. Ou... Alors je crois que le magasin, je peux y aller par là. Oh mais c'est pas vrai. Le magasin, je sais plus où il est. Ça c'est l'usine à sel, à sucre. Le magasin doit être là quelque part. Oh la vache. Oh le massacre. Matt, tu sais pas conduire ou quoi? Le magasin, il est là. Alors, pas contre lui. Si c'est de ce côté-ci qu'on va mettre, non? Ok. Et maintenant, donc, on repart. Sans se perdre, cette fois-ci. Alors ici, bah par là. Hein. Oh purée. Je sens que je vais me perdre. Non, c'est par là après. Matt, il est perdu. Mais Matt, il va se retrouver. Attends, boisson gazeuse. Non, c'est par là-bas. Ah zut. Mais je crois qu'on peut aller par là. Par ici. Là. En fait, je remarque que je suis pas du tout bon avec cette carte. Mais je crois qu'on n'est pas loin d'arriver à l'usine de dessalement. Tiens, on est juste à côté, tiens. Alors, est-ce que... Est-ce que ça a marché ou pas de se mettre en dessous et de récupérer le sel? En même temps, je pense pas que tu sautes dedans. Tiens! Allez, bim! Bon, bah, ça c'est cool ça. Donc, on va pouvoir mettre du sel. Et on n'aura pas besoin de l'acheter. Bon, déjà, ça c'est bon. La remorque, je sais plus où je l'ai mise, elle est là-bas. Hop, donc on va la remettre en dessous de la machine. Tac. Hop. Il n'y a pas encore assez pour moi. Hop, on éteint tout ça. Je vais peut-être la reculer un peu plus. Là.
On va la mettre au fond là, on va reculer le tracteur un peu plus pour avoir un peu plus de liberté quand on arrivera avec avec le tracteur. Alors maintenant, lui, et ben on va aller chercher de l'eau. Alors là maintenant, comme on voit rien à cette période-là et à cette heure-là dans le jeu, on va essayer de se repérer pour faire une marche arrière et aller remplir d'eau salée. Mais je sais que j'y arriverai pas parce que je sais qu'à chaque fois qu'il fait nuit comme ça sur le serveur, et ben j'arrive pas à trouver l'intersection des serres pour pouvoir me mettre en marche avant au niveau des serres et reculer jusqu'au trigger pour prendre l'eau salée. Non, bah c'est là. Et là, et ce poteau-là, bien sûr, c'est le seul poteau qui soit physique sur cette carte. Par contre, ça fait un pas bon. Mais alors, pas du tout. Alors, si je tourne dans le mauvais sens, ça ira bien aussi. Je sais pas où il est le planton. Je crois que je suis. Bah, en fait, je crois qu'on est à l'ouest. Parce que en fait, ouais, c'est plutôt vers là qu'il est. Hop. Non, pas bon du tout. Je sais pas où il est. Hein. D'abord, à mon avis, je suis dedans surtout. Hein. On voit rien en même temps. Eh, attends. Si, si. Non, c'est pas dans mon sens. C'est comme ça. Ah. Alors, la nuit dans les rétros éclaire plus. Ah, voilà. Ça y est, j'y suis, c'est bon. On va déjà ouvrir. La trappe était déjà ouverte, bien sûr. Hop. Bon, maintenant que ça se remplisse, ouais, ben du coup, on peut rien dire de plus. Je pense que quand on aura le mode de pour gérer les sols, je le mettrai, mais quoi qu'il en soit, je l'activerai. Alors, il sort le 8, donc ça veut dire que c'est pas pour cette semaine au niveau des
Ben, ça sera du coup là à l'heure où je tourne. Donc on est en fin novembre, on est à la dernière semaine de novembre. La semaine prochaine, on commence le mois de mars, le mois de décembre plutôt. Donc ça veut dire qu'il sortira. Alors à partir d'aujourd'hui, il sort dans 2 semaines. Ben, une semaine et 3 jours, ben, 4 jours. Donc à la sortie, ça sera. Bien, il sera installé sur le serveur, ça c'est clair. Moi ça m'intéresse parce que j'aime bien tout ce qui est comme ça. Moi ça me rappellera le sol mode et du coup je pense que ça va être bien. Et en plus de ça ce qui sera bien avec le mode, c'est qu'on verra même sur la mini carte, même sur le mode de la carte, quand on sera sans être dans le mode des menus là. On aura la couleur des champs. Je pense qu'ils vont revoir la mini carte. Bah le système de la mini carte. Ils vont rajouter des options pour pouvoir savoir sur tel champ est-ce qu'on est bon ou pas. Et là, il faudra encore plus gérer ces champs. Ça va rajouter un peu plus de réalité au jeu, quand même. Et ce qui est bien, c'est qu'il sera gratuit. Donc, ce sera un DLC gratuit. Hein. Il sera gratuit. Et puis, ouais, il sera dans le mode up, je pense. Hop, allez, demi-tour. Oula. On va vider tout ça là. Ah. J'aime pas quand ça lag comme ça. Allez. Et je pense que je vais pas m'éterniser non plus. Même un épisode de 20, 22 minutes. Ça suffit largement. Du coup, je sais que je peux remplir mon épandeur à sel avec le sel de l'usine de dessalement. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ça nous évitera d'acheter des sacs de sel ou quoi que ce soit. Du coup, comme on peut le produire, c'est bien. Prochaine fois, qu'est-ce qu'on fera? Prochaine fois. Sachant que si on regarde bien dans les... Donc là on est le dernier jour, on est le sixième jour. Donc on est fin, on est quasiment, donc demain on sera fin été, fin hiver. Donc ça veut dire que samedi, dimanche pareil, et lundi on reprend printemps. Donc à partir de lundi, on verra quand les températures seront là bien sûr. Mais ce sera pas tout de suite, on pourra faire les deuxièmes semis. Mais avant, il faudrait que je vide. Et ça, je le pense pas tout de suite. Mais j'ai aussi à vider mes silos pour les prochaines semis. Donc, on va s'arrêter pour ça. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre celui-ci et on va aller tout simplement vider le tournesol à l'usine d'essence, là où à la raffinerie. Donc on va aller rechercher à la ferme tout simplement. Ah, d'accord. On va aller chercher à la ferme du tournesol, tournesol colza et soja, et puis on va aller les amener
À l'usine à la raffinerie, tout simplement. Oh, ils font chier, sérieux. J'en ai marre. Je peux pas faire. En fait, il faut que je fasse attention parce qu'en plus, je peux tourner la tête facilement. Donc, je pourrais regarder à droite et à gauche avant de partir. Hein. Je sais pas pourquoi je le fais pas d'ailleurs. Allez. On va aller chercher du tournesol qu'on va aller mettre à la raffinerie pour vider un peu nos stocks de tournesol et tout ça. Le houblon, ben pour l'instant, il y en a. Il y en a encore un peu. Maintenant, il faudrait que. Là, pour l'instant, il faut que je m'occupe de mes. Des productions aussi. Ah, c'est vrai, j'ai oublié que j'avais laissé la machine là. Après, on repart de l'autre côté de toute manière. Hop, on va juste faire ça. Et ce week-end, je me chargerai de voir pour. Du coup, on a dit. Tournesol. Et qu'on va amener à l'usine de tournesol, à l'usine de, à la raffinerie, qui est pas trop loin de la ferme, donc ça va. Et je pense que ce sera la dernière truc qu'on va faire aujourd'hui. Allez hop, on descend par là. Hop. Ici, personne, personne, on y va. Voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse parce que sinon je vais me prendre des voitures à tir à l'arigot. Sinon, hop, et donc là, oh, alors au rond-point, c'est pas la première sortie, c'est la deuxième. Et normalement demain il neige. Cool. On va neiger mais la neige va pas durer longtemps je pense. Donc c'est pas celle-là. C'est celle-ci. Et puis c'est normalement. Non c'est pas là. C'est la prochaine. C'est après celle-là. L'usine elle est là. Hop, on fait demi, on fait un petit tour là tranquillement. Hop. Touk. Ah zut. Voilà. Allez. Donc moi je vais arrêter là. Demain on se retrouve pour du Farming Simulator 20 pour la suite de notre carrière. Je crois que là ce sera les semis cette fois-ci, ouais, c'est ça. Donc du coup on se dit à demain, n'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus et de vous abonner. Et on se retrouve demain pour du Farming Simulator 20. Allez, à demain. Ciao ciao.